Salut tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir bébé, comment ça, ça va? Ça va très bien. Alors, il sera tous les soirs avec nous, Maxime Guény, pour nous donner les scoops du PAF, les infos du PAF. Et mon Maxime, tu seras tous les soirs déguisé par rapport à un des scoops ou à une des images que tu nous donnes. Absolument. À votre avis, je suis déguisé en Bad Boys. En quoi? En Bad Boys. Ah, d'accord. Ah, ouais. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez une idée sur le scoop? Comme ça. Et surtout déguisé en un mec, en fait, qui a voulu faire une parodie de clip de M. Pokora, mais qui s'est loupé totalement. Elle veut contrôler, mais c'est raté. Ouais. Oui. Parce que ce soir, enfin, tout à l'heure, vous avez rencontré une star. Une star américaine. Elle a 27 ans de carrière. Ouais. 68 films et séries à son actif. On peut le dire. Stars, hein, deux stars. Hein. Deux grandes stars. Bah, à l'occasion de la sortie d'un film qui va faire événement. Oui. On peut le dire. Non. Bad Boss. Si. Monsieur Hanouna a rencontré Will Smith. Et Martin Lawrence. Et je vous le dis, on a tourné un sketch avec Will Smith et Martin Lawrence. On a quelques photos. Ouais. C'est vrai qu'on a tourné un sketch que je vous diffuserai demain. C'est génial. C'est vraiment, ils ont joué le jeu à fond. Voilà, je vous le dis. Et Will Smith était exceptionnel, Martin Lawrence aussi. Et on a tourné un sketch. On a fait ça dans un très grand hôtel au Ritz, au bar du Ritz. Et vous verrez le sketch demain. Et nous parlons de Bad Boys. Voilà. Will Smith, exceptionnel. Il est pas sympa, il est top. Et Martin Lawrence aussi, des amours. Et je vous le dis, c'est vraiment des professionnels. On a tourné le sketch. Ils avaient déjà révisé avant. Et ils sont arrivés. Ils n'ont fait qu'une prise. Ah, je vous jure que c'est vrai. Et on... Mais bon, vous avez tourné en anglais, le sketch? Non, on a fait un truc énorme. C'est qu'ils avaient des oreillettes. Donc moi, je parlais en français. Okay. Et eux me comprenaient en anglais. Et eux, ils parlaient en anglais. Et moi, je faisais genre, je les comprenais. Vous voyez ou pas? Et ça sera demain. Vous verrez. Franchement, c'est un grand, grand moment. J'adore Martin Lawrence. Et Will Smith, je suis fan absolu depuis des années. Et il a la classe, ça a été un amour, on s'est très très bien entendu. Vraiment, vous avez ramené des huîtres. C'est comme ça que vous êtes allé à New York pour pratiquer un peu? Pas du tout. Merci. Donc là, c'était la première info et ce sera donc demain. Demain, on va suivre toutes les vidéos avec le sketch sur l'intégralité, évidemment. Allez, deuxième info. Info, on est en 2020, évidemment, tout le monde le sait. Et il y a des émissions qui sont extrêmement attendues. On commence avec la première? Bien sûr. The Voice. The Voice est de retour. De retour le 18 janvier, Back to the Basics, ils ont changé tous les coachs, on les connaît, Isabelle, tu les connais par cœur. Lara Fabian, Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo, ce sont les nouveaux coachs de The Voice. Beaucoup là-dessus. Voilà. Ouais. Et les règles ont été simplifiées puisque la mécanique est beaucoup plus fluide puisqu'ils ont vu que les audiences baissaient, donc The Voice est de retour quand? Le 18 là, terminer le vol des candidats, terminer la zone rouge, Back to Basics, c'est la bonne annonce, vous le résumez très bien. On va pas voir la bande annonce, merci. Mais On est dans le don, vous savez. Exactement. Sinon, il y a Koh-Lanta aussi. Koh-Lanta de retour, ça va s'appeler L'île des héros. C'est la 21e saison, bientôt sur TF1. Nouveauté aussi consistante avec des anciens qui vont venir aider les anonymes de cette année. J'ai plusieurs noms. Théura, Moussa, Sarah, Jessica. Vous en voulez d'autres? Tranquille, hein, tranquille. Non. Calme-toi. Hein. Théura, il n'y a pas d'autres. Ah, il est chaud. Calme-toi. Hein, oui. L'île. Tout a commencé ici même. On est ensemble. Alors, généralement, on devait juste avoir les images derrière qui étaient diffusées, mais voilà. Que vous avez bien bossé. Oh ben, plus que jamais. Et enfin, il y a Julien Courbet qui arrive. Il est de retour, enfin, il sera à la tête d'une nouvelle émission qui va s'appeler « Qui veut être mon associé ?» Adaptation d'un format japonais à succès. Le concept est simple, vous avez 6 investisseurs qui vont investir sur des projets d'entrepreneurs. C'est une super idée et ça arrive là, mardi prochain. Allez, une autre info, c'est les personnalités les plus citées dans la presse en 2019. Vous avez le classement. Le classement. C'est sorti. Alors, donc les personnalités vraiment qui ont été le plus mentionnées dans la presse en 2019. Alors, on va commencer par les politiques. En politique, qui était le plus cité en France? Macron, évidemment. Troisième fois consécutive cette année. En sport? Mbappé. Très très bien, talonné par Neymar. Et enfin en média, celui qu'on appelle ici l'animal, monsieur Cyril Hanouna. C'est pas quand même 11 000 citations en 2019, rien que ça. Je pense que vous allez en avoir beaucoup plus après votre chronique. Ah, vous croyez? Vraiment bon, Maxime. Et ce matin, j'allume mon poste de radio, qu'est-ce que je vois? Je vois chez des foules. Tu vois la radio? La radio est filmée maintenant, bien sûr. Il a raison. S'il vous plaît. Oui. Et ce matin, qu'est-ce que vous faites à la radio? Sur Skyrock? D'accord, oui, j'étais chez... Oui, Difool m'a appelé ce matin et je voudrais leur remercier, Difool, sur Skyrock. Voilà, merci à eux, puisque Difool m'a décerné le prix de l'animateur de la décennie. Wow. Merci à Difool. Rien que ça. J'aime beaucoup les équipes de Difool. Et pour moi, et je le dis, et je le pense vraiment, que Difool, pour moi, est l'animateur, franchement, radio de... Voilà, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Largement. Et ce qu'il a fait, personne d'autre ne l'a fait, Difool. Je suis fan de ce gars, c'est un amour de mec. Et
Il est dans son truc et c'est le meilleur dans ce qu'il fait. Passionné. Et je vous le dis, c'est vrai que c'est un passionné. Et pour moi, ça sera l'animateur, voilà, ouais, pour moi. Matinal. C'est vrai, bah, c'est, y a lui. Il ne pas ses trucs. Et il fait le soir aussi. Hein. C'est incroyable ce qu'il fait. Alors, tous les soirs, on reviendra sur quelque chose aussi, Maxime. C'est le TTU. Le TTU, il y a un petit jingle sonore d'ailleurs. Non, mais t'en vas. Va nous parler de quelqu'un qu'on a perdu de vue, c'est qui ? Eh oui, il s'agit de Georges-Alain Jauss, candidat marquant de la Starac 2002, c'est ça. Il avait sorti un album en 2005, mais depuis, on se demande ce qu'il fait, c'est une vraie question. Est-ce qu'il a lancé une activité sportive ? Est-ce qu'il commente le sport à la télévision ? Ou est-ce qu'il est coach sportif dans une salle de sport ? Non, non, pas coach sportif. Pas coach sportif. Aucun des trois. Alors, on se remémore déjà ce que faisait Georges Alain. On va voir Georges Alain, c'était ça. Ah bon, c'est qu'avant. Tu vas. C'est ouf, hein, c'est un qui a pris, il y a une petite erreur là, il y a quelqu'un qui a pris un plat, on va perdre de la vitesse, ça va peut-être permettre à Marielle de ramarrer ce groupe, c'est le cas d'ailleurs. Voilà, Marielle qui fait son effort. Alors le commentateur sur l'équipe TV, c'est ça ? Sur la chaîne L'Équipe, sur les sports de glisse et de ski. Eh oui, je kiffais ce mec, moi, je le kiffais. Il était très très sympathique, c'est un des plus sympathiques. Et aujourd'hui, il a 44 ans. Merci Maxime Guény, vous revenez demain ? Si vous le souhaitez ? Non. Merci. Bien sûr, il sera là demain. Merci Maxime Guény. Merci mon chéri. Bravo Maxime Guény, bravo.